Salut les mobeurs, donc aujourd'hui petite vidéo mécanique. Alors on a monté sur la 51 une courroie Doppler, donc pour aller avec le cambrayage Doppler ER2. On a un pignon de 12, donc ça c'est les pièces pour tenir le pot d'échappement Doppler ER1. Donc on va changer les joints. On a une pochette de joints neuves, un petit filtre à essence, des clapets Malosi. Et un plateau alu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on se retrouve tout de suite après. Got a motherfucking big screen by the front door. Got a guest bedroom filled up with fur coats. Nigga, ain't no room in this bitch to even jump rope. Yeah, the fire and desire, and I'm higher than my prior. My attire, acquire, might require a Malaya. War might accept you and deny you, no denial. I'll be in the courtroom on the table screaming, right? Au niveau des changements, donc on a mis le pot, on a changé tous les joints, on a également mis une culasse sans décompresseur vu que à la base il y avait un décompresseur et que il convient en compression. Après on a mis une pipe droite à la place de la pipe coudée d'origine. On a également mis les clapets Malosi, donc vu que c'est les clapets Malosi en carbonite, les VL2 vu qu'ils sont beaucoup plus gros que les clapets d'origine, on a forcément dû préparer un petit peu les carters moteurs, c'est à dire qu'on a fait des chanfreins au niveau des clapets et du coup on a dû recouper les joints aussi également. Ensuite on a mis le filtre à essence et donc niveau esthétique le plateau alu.